Dans le pays d'Haïti, carnage dans Pétionville, environ 20 personnes ont perdu la vie, semble une grosse panique qui a gagné dans la boule Thomasin avec Negame qui continue à s'immer la terre jeudi lundi 18 mars 2024. Là. États-Unis élection, président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump étaient en campagne avec polémique côté Yon a shooté sous l'autre. Et puis dans le pays de la Russie, président Vladimir Poutine remporté haut la main élection présidentielle. Yo. Réaction dépamant sorti à travers le monde. C'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour vous dans Rendez-vous Info. Jeudi assez. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est et qui côté, ou attendez et regardez en même temps vidéo ça. Déjà, nous bienvenue l'autre fois encore sur Chanel pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité que nous portons pour vous, nous avons d'après Vandebeuf Info, eh bien, Vivi Michel Bandi a été kidnappé, journaliste Lucien Girard, qui est ancien directeur information dans Radio Sial FM, et c'est tout qui fait partie du monde qui connaît le palais national. Dossier Cholse Chancier a assemblé prendre une autre dimension. Là, la police dans la ville de Los Angeles, dans l'État de Californie, dans le pays des États-Unis, a arrêté des jeunes Ludi Anderson qui ont 38 l'année. Nous venons avec tout le détail pour vous. Et l'autre côté, tout, nous faut connaître. Eh bien, plusieurs députés là ta écrit administration Biden nan pour demander pour yo capable renouveler ou bien prolonger immédiatement TPS pour haïtiens yo même qui capable utiliser nan pays Biden qui c'est une bonne nouvelle. La police nan okay mette ou bien neutraliser présumé bandit Frank la misère lui même hier dimanche qui s'est passé là n'a vini avec tout détail. Et yon l'autre côté, n'a pas qu'on est terminal varie. Tout le monde connaît terminal varie. C'est lui même qui baille gaz dans la zone Cité Soleil là. Et bien, bandit vivant sans mieux, yon même yon arrivé gain contrôle terminal si là. Pourquoi il y a là? Terminal là en bas main gang. Et pour ça, yon pile l'autre que nous portons pour vous. Mais avant nous entrer dans le point ça, nous invitons à suivre émission spéciale ça avec VOA Creole. Et bien, après tourner dans un petit temps qui pas trop long pour nous capables de porter reste détail pour vous. 2024, nous comptons entrer la KO. Situation était très compliquée. En capital tendu avec un pile et zak violence. Et dans le moment, on a parlé là avec le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a réuni sous cas Haïti. Nous allons rejoindre Valério Saint-Louis depuis New York. Valério. En effet, Jacques Lé, je dis à les Nations Unies supposé réunir dans une réunion en privé sous cas pays d'Haïti. Une réunion qui va débattre sur une situation très difficile que le pays d'Haïti a traversé. Nous avons rencontré avec Rose Joseph, qui est candidat pour le Sénat dans l'État Floride. Il dit que les Nations Unies, d'ailleurs, prennent la parole dans une réunion, pas forcément Conseil de sécurité, mais dans l'autre réunion de la Nations Unies, et la participer tout, d'après ça, dit nous, dans une réunion Conseil de sécurité, ça qui est pour faire sous Haïti. Rose Joseph, tu es dans le micro VOA Creole. Nous, les Nations Unies, sous invitation, 1 million en Women Organization. Côté tout le monde, parce que dans 192 pays, à venir parler et puis grand assemblée a fait plus tard à 3h à 6h et puis il y a plusieurs workshops qui couvrent prostitution, child abuse, human trafficking, abuse conjugal, tout bagage ça yo et nous en même temps tout nous parler de circonstances qui créaient dans pays dans tout pays dans monde là côté que côté insécurité li conduit misère qui cause moi même vienne parler là dans non comme un activiste pas un candidat mais comme un activiste qui vienne parler pour nous pour côté nous café plus comme humain pour nous défendre et puis en même temps connait même côté même pas parler de Haïti n'a touché dossier Haïti à demain nous gon conférence de presse en après temps de résolution qui gagne aujourd'hui là que m'a bien pour me participer là dans pour mon observateur en pita parce que m'a gagne credential en gouvernement et Sénégal là pour que moi-même quand observer dans Conseil de sécurité capable rencontrer aujourd'hui là. Sous dossier Haïti justement où Joseph va participer dans réunion ça en privé que Conseil de sécurité a fait sous dossier Haïti. Est-ce qu'on gagne déjà une idée qui ça qu'a discuté dans réunion ça, qui ça qui pourrait sortir pour Haïti? Bonne Nations Unies, les rencontres pas faire là c'est pour ça nous aller dommage contrôle là. Il y a besoin et il y a travail sous dossier et il y a préparation pour une humanité, une mission humanitaire. C'est ça qui sous table là pour une résolution côté qui a ouvert un corridor pour que porte aide humanitaire. Ça veut dire c'est ça que moi-même moi apprendre, il y a soit dans sac de pour discuter. Mais dossier qui comme n'a pas même une discussion qui gagne en sous table jeudi là. Voilà, où Joseph qui a participé dans des réunions de la quartier général des Nations Unies dans le moment qu'il n'a pas parlé là, il promet nous après réunion Conseil de sécurité et Nations Unies sous cap pays d'Haïti en privé, il a participé dans réunion ça. Donc il fait nous connaître Jacqueline que là-bas nous est compte rendu ça qui sortit dans réunion ça. Jacqueline. Merci Valério. Donc Valério sous place dans New York, dans les Nations Unies, pour suivre pour nous sa cap fête dans la réunion. Ça, une réunion qui a fait à huis clos, donc à toute porte fermée. Et c'est sous question Haïti à Navini avec l'autre détail encore demain dans l'autre programme. Ou bien suivre toute plateforme New York pour capable gagner. Dernière information qui a sorti dans les Nations Unies. Nous prenons dans le pays d'Haïti, côté d'après nouvelle, il y a eu un carnage dans Pétionville. Pétionville, côté que plus passé 20 personnes qui ont perdu la vie. Nous allons rejoindre correspondant dans Port-au-Prince, Machado Vilme. D'après un citoyen qui identifie Tepli comme un responsable dans la commune, fait qu'on ait 24 personnes qui perdent la vie dans le canage ici. Non, pas M. Boulou Diogaz, alors M. le coordonnateur général de la mairie de Pétionville. Il y a 24 morts au niveau de la commune de Pétionville. Bon, c'est Michel, il y a 8, bon, là, il y a 14. Bon,
et c'est Jean Bosco descend en bas. Il y a plusieurs autres monde. Il y a un peu de cadavres qui est enlevé. Alec qui était venu depuis 15 jours, nous n'étions pas là avec tout le monde. Tout le monde a pris là au niveau des communes parce qu'il y a Alec qui va être sur les communes. Alec là qui s'allie, c'est passé à passer pour faire un massacre parce que c'est Petroville qui a fonctionné, pas que notre commune a fonctionné. Pour yon l'autre qui dit le témoin au qu'il est événement, fait qu'on est ces monde qui habille avec bout de pantalon, maillot blanc, qui fait massacre ça. Pendant bon 11h du soir, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. C'est le même moment, je suis là, je suis là, coco. Et pendant ma petite blague comme dans le coin là, je regarde moi un paquet de nègres à la main, je me dis une zame, 9 mm seulement qui était dans mes nègres. Il y a des sandales dans le pied, il y a un bout de pantalon et puis maillot. Il y a commencé à prendre nègres, commencé à ouvrir coup de balle sur nègres, il y a couru dehors, il y a ouvert coup de balle. Après, au fin de faire action, il y a monté machine, il y a eu un peu. Il y a eu des sons aux oreilles blancs. Il y a qui mourent là, c'est machine chargée. Il y a deux nègres qui mourent encore là, c'est bleu qu'on vend. Après ça, il y a deux petits qui mourent, c'est mandé qu'on demande, c'est machine qu'on suit. Après, il y a qui n'ont pas de salaire lui-même qui mourent là. Monsieur, c'est bon pour l'homme, nous travaillons en Chinois ensemble. Monsieur, c'est fait sac sandal, machin nous en acheter, nous faisons sac sandal, nous portons à l'administration pour machin nous, c'est job ça nous fait. Nous devons dire, événement cela n'a pas arrêté sans conséquence sur l'activité dans la commune. Côté porte banque commerciale, porte l'école, gros acte business obligé de rester fermé. Nous devons signaler tout, l'homme 9 mounio en bas pompe nationale a mis de l'eau dans un pile monde qui identifie victime ça yo. Comme monde qui a chargé machine, machin de l'eau, machin clairin, machin de pain, qui a plaisir à mener activité l'activité ça yo dans Pétionville. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massa Devine pour VOA Créole. Merci Massa Devine, d'avoir été toujours dans Port-au-Prince, toujours avec l'intérêt que gang armé a fait dans le pays et avec une situation qui est tendue dans la capitale là. Nous voilà le jeune Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Violence continue à gagner qu'un sol dans Port-au-Prince avec affrontement entre police et gang armée, ça qui entraîne évacuation diplomates et ressortissants gouvernement pays étranger en raison de chaos dans le pays d'Haïti. Police nationale a mené une opération 15 mars qui s'est passée là dans Badelma, fief Jimmy Cherizier alias Barbecue. Intervention a été visée débloquer axe routier malfrats ont été barrés depuis plusieurs jours. Agent Simo renforcé avec même Boyd et SWAT utilisé engin loup pour dégager route là. Yon bilan sur opération ça a bien pour communiquer prochainement selon la police. Il y a divers actes vandalisme qui rapporté tout dans Badelma à Clachaline dans coupillage yon concessionnaire automobile à conteneur dans Port Caribbean Port Service SA institution l'état yo ta faculté sciences et électricité d'Haïti yon même tout yon victime de insécurité. Pendant temps ça gouvernement dominicain évacué 27 ressortissants qui ta vivent dans pays d'Haïti moun sa yo mandé pour quitter pays en raison violence et insécurité. Situation toujours été tendue dans Port-au-Prince. Journée lundi, un grand bonnet dans matin, il y a 10 cadavres, principalement jeunes garçons entre 18 à 25 ans, qui découvrit dans la rue panaméricaine Pétionville. Il y a un trou balle qui découvrit dans Koyo. Cependant, circonstances là toujours été pas clair. Kosayo tap ben dans sang yo, grand bonnet dans matin, dans Pétionville. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Yves Manuel, nous prenons dans le département nord pour nous parler de évacuation. Gagné plus qu'une quarantaine de ressortissants américains qui quittaient le pays à bord d'un avion américain. Nous allons rejoindre correspondant nous Gérard Maxino. Un groupe 47 ressortissants américains quittait pays en dimanche 17 mars 2024 à bord d'un avion que le gouvernement américain a loué pour venir chercher eux dans l'aéroport international au Caplan. Un ressortissant américain, Lovely Pierre, a expliqué VOA Creole, c'est grâce à un email qu'il a reçu qui informe de voyage si là. Il y a un email qui dit que tout le monde qui a gagné un passeport américain pouvait transporter dans l'aéroport là matin en bonheur. Pour nous, on a dit comment ça s'est passé. Pour nous, on a dit c'est ça, on a dit. Et nous, tout le matin, on a déplacé par l'été, et nous, on a dit avant 10h30. C'est ça que moi-même, je suis obligé. Côté de l'air, je suis Madame Pierre fait qu'on est obligé quitter le pays, même quand côté le pays, il n'y a pas de sentir vraiment qu'il y a un problème de sécurité. C'est pas tout ressortissant américain qui a eu la chance de profiter des voyages là. Un Américain qui fait en Haïti, Antoine Cadet, qui a 61 ans, t'a montré journaliste passeport américain li, et li te fait qu'on est li malade. Faut que l'on prenne soin aux États-Unis d'Amérique. Two weeks,
Avion qui te poté ressortissant américain yo te quitté au cap vers midi 30 comme ça et te atterri dans aéroport Miami à 10h33. Moun te capable remarquer yon équipe citoyen américain qui te gen zam ak gilet pa bal sou yo dans aéroport au Caplan qui t'a fait arrangement pour voyage là. Gérard Maxino Cap Haïtien pour la Voix d'Amérique. On dit que pillage, évacuation, violence qui gagne dans le pays d'Haïti gagne un impact sur l'économie. Nous allons rejoindre Pierre Renel René qui lui-même te parlé avec un économiste. C'est un pillage pas campé dans zone bandit envahie, il y a pas presque gagné pour manger qui était encore après il a cassé plusieurs conteneurs qui étaient placés dans APN. Pendant temps ça, il est plus difficile pour produire manger au traverser pour arriver dans la capitale la Port-au-Prince bandit contrôlé jusqu'à présent. Si ça arrêtait comme ça, économiste Thomas Lalim prévoit. Tu as raté de billets de marchandises dans le pays, on doit arriver dans une situation qu'on est comme dans monde, ou besoin acheter même produit pour manger au pas ca joindre si un vague de pillage ça yo. Autorité yo pa fè yon jan pou yo suspend yo. Plus temps que ça dure, c'est plus conséquences yo ap grave et là ça a conséquences yo pa pou yo seulement nan jou k'ap vini yo, mais c'est ou ap gen probablement des conséquences qui pral permanentes dans sens que ou pral continuer observer conséquences ça yo sou prix yo donc sou inflation nan mois nan année k'ap vini yo et même sou question niveau de pauvreté. De passage dans Floride, économiste qui t'ai parlé avec Véro Creole présenté yon table sombre sou situation k'ap passé en Haïti a. Pays qui déjà rentré dans sa crise humanitaire. On était déjà dans une situation de crise humanitaire pour avec importance et ampleur question gang yo t'apprend, mais dans dernier jour ça il prend des proportions peut-être que bon, moi même personnellement m'ai imaginé que tout, deux plus gros prisons dans pays étaient carrément comme ça vidé avec toute délinquance ça qui dans la rue, c'est peut-être faut attendre à ce que peut-être que insécurité après encore non dimension qui est beaucoup plus alarmante et puis donc on parle dans une situation que c'est seconde notre phase après crise humanitaire là c'est vers ça nous parler d'après moi même plus passé 362 000 déplacés depuis violence gang ont déclaré sous pays hein. Parmi chiffres ça 35 000 pour année 2024 là seulement selon programme alimentaire mondial PAM qui souterrain hein. À cause routier qui toujours été bloqué dans région métropolitaine hein, organisme Nations Unies a souhaité joindre moyen pour atteindre déplacés yo en pile là yo al réfugié soit dans l'église l'école à l'autre bâtiment public yo. Ça fait longtemps, l'association pharmacien d'Haïti a lancé un cri d'alarme devant rater médicaments constatés dans l'hôpital. Il y a une série d'appels qui rejoignent constat et prévision Thomas Lalim qui décrit d'ailleurs une situation économique catastrophique. Dernière violence gang yo vient en vlimé. Moi, c'est Pierre-Renel René, depuis Fort Lauderdale, pour VOA Creole. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est la République dominicaine. Dans un premier temps, il y a parlé d'un pont humanitaire qui t'a doué établi entre République dominicaine avec Haïti. Un officiel dominicain t'a questionné et projet ça. Et c'est comme ça tout, envoyé spécial non Jean-Robert Philippe qui allait pour loin avec De Grandieu, ça qui a passé. Il s'est yeux et VO à Creole. Et lui-même, il t'a rencontré avec un pasteur qui relait le Toine Le Pierre, qui lui-même son pasteur dans Wanamet et qui a parlé tout, non seulement de déportation qu'a fait, mais tout de projet qu'on a. CARICOM fait pour dire qu'il a mis sous pied un collège présidentiel de transition et pasteur Letoine Pierre. Bon, c'est un transfert et je suis capable d'entrer et chercher la bonne. Mais quand même, j'ai un bagage dit là, je ne vais pas quitter aucun monde passé. Okay. Ça permet de côté que vraiment m'obligé à camper, je ne suis pas capable de traverser. Qui joue là, qui est là? Qui a activité dans Waname? Bon, activité, il y a plus ou moins. Il y a plus ou moins parce que. Et pas de l'école pendant quelques semaines. Normalement, ça, l'école a fonctionné normalement. Qui veut dire que tout le bagage a commencé à reprendre. Okay. Mais qui ont pas à passer de crise là, qu'on a situation pays. Bon, crise là, il dérangeait tout le monde. Comprenez? Crise là, lui-même, il dérangeait tout le monde. Et à cause des poteaux, parce qu'il n'est pas tellement normal, ça peut mettre tout le département même, il a touché. Il a touché des crises là. Et qu'on a là, Haïti n'a pas de gouvernement. Haïti n'a pas aucun gouvernement. Haïti n'a pas de président, pas de ministre, pas de sénateur, pas de député. Pas de rien qui est capable de prendre la défense du peuple. Comment c'est le gouvernement ou bien encore le conseil présidentiel là? Bon, conseil présidentiel là, moi je suis capable de dire le conseil présidentiel là. Il y a un seul bagaille, n'a dit Américain, quittez Haïti au choisi pour tête. Quittez Haïti au choisi pour tête. L'idée que vous même vous voulez, quittez au point. Si c'est l'autre haïtien, si c'est l'autre monde, ou a choisi comme conseil présidentiel, Haïti a toujours été dans crise. Vous comprenez? Ça fait peuple là pas jamais, pas jamais rentrer la caillou parce que poko ba yo monde qui veut là. Eh bien, essayez bay peuple là monde qui veut là et puis pour voir comment tout bagaille. Mais nous pas ta remettre côté que vraiment pour américain ou bien corps groupe a décidé pour peuple haïtien. Pasteur Letoine Pierre te répond une question envoyé spécial nous en République dominicaine, Jean-Robert Philippe.
2024, année électorale ici aux États-Unis, eh ben, gagne en pile chance pour que gagne yon lot face à face entre président des démocrates Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump. Et tous les deux étaient en campagne et yon voye tout ya sous lot Serge Rodriguez. Président sortant Joe Biden avec ancien leader républicain Donald Trump, joue une nomination Parti démocrate avec Parti républicain, plutôt que cogner une autre fois encore dans l'élection générale 5 novembre 2024 qu'à Vinland. Nous devons préciser, c'est un événement qui n'a pas fait ici aux États-Unis depuis environ 70 ans. C'est dans le cas de ça, M. Biden a visité mercredi passé Wisconsin, un état moins considéré comme un champ de bataille en élection présidentielle à Nessa, une élection garçon pas campé. Président sortant n'a pas perdu du temps pour annoncer un investissement plusieurs milliards de dollars, administration liée à 132 projets dans 42 États américains, une façon pour corriger l'erreur historique qu'on a commis dans le pays. Je trouve mes sites là pour annoncer un investissement 3 milliards 300 millions de dollars, et c'est premier investissement dans ce sens qui pourrait financer 132 projets dans 42 États américains qui ont rapport à création de jobs dans diverses communautés. Pendant le cas de mise en place de la ville Milwaukee, État Wisconsin, il a fait promotion pour sa administration liée à accompli parmi les législations sur projet infrastructure, à réduction inflation dans un moment de critiquer politique économique rivale Donald Trump. Mon prédécesseur a abordé semaine infrastructure pendant 4 ans, et il n'est pas arrivé à faire aucun là-dedans, pas même un seul grain là-dedans. Over the top. Dans une vidéo, ancien président républicain Donald Trump posté sur les médias sociaux, il dit qu'il considérait Joe Biden comme le plus mauvais leader des États-Unis jamais gagné. Et il déclarait que la nation américaine a fait bec à terre qu'on y a. Nous pourrons changer tout ça parce que nous pourrons faire forage pétrole et puis nous pourrons fermer les frontières noires. Nous pourrons faire quelques bagailles, mais pas jamais moins avant ça. Nous pourrons faire économie pays à tourner la plus bonne économie qui existait sur la planète. Pour ça, concerné l'électeur américain, il n'y a pas fini d'appuyer trop l'idée pour un nouveau duel entre le président Joe Biden et rival Donald Trump. Bout pour bout, une quantité d'accusations criminelles qui a pesé sous dos ancien président républicain, capable de déboucher sur échec libre côté électeur dans la banlieue, avec Silayo qui possédait un diplôme université. Électeur, M. Trump était toujours une difficulté pour l'attirer. Sous vos parlies, président Joe Biden a fait face à la perception comme quoi il était trop grand monde pour un deuxième mandat. Une notion alliée, M. Biden, vous voyez jeter à cause du discours flamme du feu président sortant et prononcé sous État nation dans la date 7 mars passé. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Et puis toujours dans l'actualité électorale dans le pays de la Russie, président Vladimir Poutine remporté haut la main et présidentiel, mais une réaction déparement qui sortit à travers le monde, Sandra Lemaire. Président russe Vladimir Poutine rencontré candidat parti politique Izami Kremlin hein, après résultat préliminaire élection qui s'est déroulé dans le pays a indiqué les remporter et aux victoires la valasse. Les dîmes t'en remercier tout le monde parce que la campagne électorale a été déroulée en façon civilisée et puis en accord avec loi la Russie. Et moi, espérer nous pouvons gagner une approche constructive, normalement, avec le Conseil fédération, tout côté représentant région russe à travail. Nous avons besoin de moyens pour maintenir dans l'avenir pour atteindre l'objectif développement, moins déjà mentionné. Nikolai Karitonov, qui est membre du Parti communiste, là, Leonid Slutsky, qui est membre du Parti nationaliste libéral-démocratique, là, et puis Vladislav Davankov, qui est membre du Nouveau Parti Peuple, là, c'est trois partis qui recevront nomination pour représentation dans le Parlement. Ils pourront jouer un rôle en apparence rival politique Poutine. Mais en réalité, ils ont tout appuyé la majorité politique Kremlin, hein, entre autres opérations militaires la Russie a mené dans l'Ukraine. Chaque candidat se prend la parole pendant la rencontre là, et puis félicite Poutine pour victoire électorale. Poutine n'a pas vraiment fait face avec aucune compétition dans l'élection. Après, il était interdit deux candidats opposition yo participer dans la course électorale. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Il y a un pile de réactions qui sont à travers le monde après l'élection président Vladimir Poutine, notamment la Chine, l'Inde, Venezuela envoie Maduro, et bien ils ont félicité alors que l'Allemagne dit pas de gain élection, pas de gain un choix. On a retourné dans le pays d'Haïti et nous prenons Jérémy dans le département Grandance avec Mackinson Charles qui parlait de manifestation en faveur ancien élu, sénateur élu Grandance Guy Philippe. Partisans parti politique font pour reconstruction nationale dans Grandance manifester pacifiquement journée lundi 18 mars 2024 là. Selon eux-mêmes, c'est pour demander application résolution réveil national là et en faveur il y a un conseil trois membres pour diriger pays en qui est là-dedans ancien sénateur de Grandance Guy Philippe. Nous demandons vive Guy Philippe. Nous demandons changement total pour pays. C'est haïtien pour mettre tête ensemble qui pour changer pays là. Nous n'avons pas fait un pour nous. Depuis 1904 nous prenons l'indépendance nous en 2024 là. Jusqu'à maintenant nous sommes mis en insécurité, c'est bien qui cause ça. Et je dis, nous même jeunes garçons, nous prenons la rue pour nous dire, nous même haïtiens, nous prenons ensemble pour changer le pays et pour qui vous permettre de changer le pays dans l'équipe. Alors ça m'a dit, je dis, hein, c'est pas Guy Philippe qui décide d'être lui, c'est le peuple qui décide Guy Philippe. Les natifs, Léo, quel que soit ça, on fait la blague. La blague. Après 5 mars 2024, nous parlons ou pas voir, nous sommes dans le pays comme le Guy Philippe, président. Parlez de l'autre, nous mettons Guy Philippe. C'est tout le pays qui demande, c'est Guy Philippe qui vous porte la solution au pays. À part les États-Unis, à part la France,
pas Canada, Haïti même Katli, n'a fait ça nous bleu. Ils ont continué pour dire pas d'accord avec CARICOM et divers acteurs de la communauté internationale là qui a appuyé pour mettre campé en conseil 7 membres. Bataille, c'est bataille nous lié. C'est bataille des haïtiens avec diaspora yo. Qui fait le président quand même dans pour le figure américain. Américain c'est blanc, il pas qu'à décider pour Haïti. Haïti grand monde tête lui, CARICOM Alchita. Nous mandé et qui Philippe prend nous. Qui Philippe c'est l'idée pas nous et lui cache. Ah, n'a pas besoin, tout pays a bloqué. Tout pays a fermé, tout pays a. Nous pas craser, nous pas briser, parce que ça n'y est déjà. Nous disons, divers secteurs et partis politiques en d'un pays hein, déjà voyé non représentants ou par responsable CARICOM pour venir faire partie conseil selon eux-mêmes qui doivent diriger pays hein. Pendant la fausse songe, Premier ministre Ariel Henry, libre pour l'école après installation conseil présidentiel. Hein. Pendant toute couche dans la société, hein, à suivre avec un pile intérêt qui ça qui va le faire dans le jour qui vient là, pour Haïti, capable de prendre un vrai visage. Depuis Jérémy, Mackenzie Charles pour VOA Créole. Et puis toujours dans le cadre de réaction par rapport à ça qui a passé dans le pays d'Haïti, nous prenons dans le pays de la France pour nous voir qui Jean communauté haïtienne réagit par rapport à la situation de crise pays d'Haïti. Journaliste et Franklin Edouard Jadams. Un groupe moun en dans communauté haïtienne dans le pays de la France manifesté sous place nation dans ville Paris pour exprimer rage, colère contre les décisions communauté internationale la apprend concernant le pays d'Haïti. Pile parole piment bouc mélangé avec insulte, sans oublier parole obscène tout qui n'a évité faire autant de tap divulgué contre la France, contre corps groupe, contre pays États-Unis et contre tout ancien parti politique traditionnel dans le pays d'Haïti. C'est pour dire non, non au corps groupe, non au corps groupe, nous disons non au corps groupe. L'objectif manifestation, hein, c'est que jodi a nous constater que Haïti gagne ingérence. Ingérence totale et nous avons crise, ça fait longtemps. Crise ça, c'est crise interminable. Donc, qu'est-ce que ça nous voulait? Nous voulons que le pays a retrouvé souveraineté, stabilité, c'est but manifestation. Manifestation, mettez sous pied, c'est par rapport à la situation pays, non? Parce que ça fait des années, nous, le pays, nous avons l'enfer. Côté, nous ne sommes pas capables de la caille, nous, c'est nous, diaspora, nous mettons nous dehors. Et jodi a nous avons super espoir pour le pays. Appuyer espoir ça pour le pays, que nous tous nous là nous réunis et nous continuons à demander pour gagner un homme capable, valable, qui n'est pas mélangé dans la politique traditionnelle ça, qui est dans le pays, qui détruit un pays. C'est qui Philippe, et nous tous derrière qui Philippe pour que Philippe vienne pour tête pays, pour mettre l'ordre. Remonter pour plusieurs raisons. Moi, remonter déjà, CARICOM est mal placé pour décider pour les Haïtiens. Pourquoi CARICOM n'a pas décidé pour les Haïtiens? Vu que CARICOM lui-même, il n'est pas libre. Et les Haïtiens, ce sont des hommes libres. Alors, je vois mal que les CARICOM va se réunir avec cette petite voleur, soi-disant qu'ils vont prendre des décisions pour les Haïtiens. Pour groupe partisan Guy Philippe Sayo, après manifestation, c'est tonne installation Guy Philippe dans tête pouvoir pour être capable de retourner dans le pays d'Haïti. Jadams Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de la. L'autre information que nous portons pour vous, et bien, faut qu'on ait gens qui nous annoncé en titre là, bandit Axam kidnappé, journaliste Lucien Jura, lui-même, qui c'est ancien porte-parole, palais national sous régime Matelia, et bien, ça passait en dedans la Kaeli Vivi Michel, avant hier, qui était lundi, ou bien hier lundi, pour nous bien dire, 18 mars 2024, là, et bien, depuis semaine passée, gang vite et l'homme, lui-même, il était envahi, localité Belleville, côté yo même ak Belleville et puis Vivi Michel yo même y a pillé et puis volé tout ça yo venn nan zone si la et bien journaliste la li même qui t'a pral an dans la caille et bien nèg exam yo pat épanier entre la caille journaliste senior Lucien Jira li même côté victime nan et bien ça kidnapping ça bandi yo même yo aller avec li nan commune Pétionville et bien ça passé hier lundi 18 mars 2024 là selon ça met Peggy Jean ou bien li fait connait fait kidnappé yo TPT yon tout nan yon mi côté ki deye kay ancien journaliste radio signal FM nan et ben yo même yo ta pral rentrer pran li en dedans la kay li même pourquoi li la bandi yo même yo chargé avec stratégie yo pa craser kay yo sinon yo marcher avec bouc mas yo même pour yo casser mi et ben pour yo capable rentrer et ben selon information
qui fait qu'on est sous journaliste ancien journaliste signal FM là et kidnappé yo gen temps relé famille ancien voix Télémax là mais yo même pour mandé rançon juriste et bien communicateur journaliste là Lucien Girard lui même qui c'est porte-parole président sous Michel Martelly et bien li tourner porte-parole même institution ça sous président Jovenel Moïse et bien pour moment là famille yo même yo pou ko fait qu'on est qui ça qui gagne malgré gen gros qu'est cassé mais la presse pou ko connaît combien rançon que yo mandé pour journaliste si là mais ça qui vrai et que journaliste là li nan men ravisse yo côté yo déjà kidnappé et c'est dans la caille yo rentre prendre pourquoi li la bagaille yo vraiment paraît compliqué c'est 29 info qui bail information si là côté le fait qu'on est et ben yo pourquoi qu'on est la presse pourquoi qu'on est combien computer mandé pour journaliste Lucien Girard mais ça qui vrai et que journaliste là li nan men ravisse yo c'est une information qui si qui est là sur internet là et ben yo fait qu'on est Cholse chance d'assemblée à Hokal cap défendre et ben li ta mandé pour Cholse lui même li rete dans prison définitivement mais ta assemblée pile mon a parlé commenter sur internet là fait qu'on est-ce que avocat lui même li pata avec madame Cholse parce que prison pas douce si on est dans prison et bien avocat ou ta dou rete et bien pour rete définitivement ta assemblée bagarre la parler louche là couet lycée les mêmes l'état avec madame ancien DP Enria les mêmes qui c'est Cholse Chancy qui était arrêté dernière fois passé à la n'a pas bloqué c'est Jean Aldiniel dimanche qui t'a metté monsieur en bas contre malgré prison écrasé et bien Cholse t'es fait partie monde avec colombien eux même qui pas décidé quitter prison à côté yo continuer rester à prendre peine dans pays d'Haïti situation continue compliquée là dans zone qui gagne pour avec terminal varie mais situation ça a une chance empirer en dedans pays dans dernier jour là parce que coalition gang eux même yo prévoir fermer centre stockage gaz terminal varie qui dans cité soleil bien ça qui va créer gros ratement gaz là sous pays ya ou bien sous marché cher ça qui était déjà bien cher n'a pas le gasoline dans lui même lui déjà passé avec 2000 gouttes yon gallon dans ville au cap bouteille là lui même qui capable coûter yon affaire de 750 gouttes dans ville Jérémy et bien pourquoi il là si nèg même yo t'arrivé gè contrôle terminal varie et bien ou va le pays ya li va plonger pifon parce que nèg même c'est eux même qui va faire ça yo vle yo déjà gè contrôle de pour des coalitions ça attaquer ou mettre antenne sur un côté et bien la police lui même s'il t'a gagné un bagage pour t'a faire si t'a fait bien rapide immédiatement ou pas fait rapide et bien police là lui même il pas capable repousser facile dans toute attaque nèg yo mené là assemblée c'est sous palais national et puis les ont allé dans ministère intérieur avec trois ans là hier sous prend un mauvais coup là dans banque BRH la côté yo mouri en pile là dans yo perdu yo pas arrivé réussi faire attaque ça mais pourquoi elle est là tout ça nèg yo mettait dans visé yo attaquer yo et bien yo bon sou yo n'a faut connait tout pendant ça c'est même les capital la bagaille mal marché mais qui différent pour ville provinciaux par rapport la police dans ville au caillou yo même paquet au caillou yo neutraliser yon présumé bandit lui même qui te gennon rele Franck la misère et bien ça passé hier dimanche qui était 17 mars 2024 là dans Port Sali dans moment intervention présumé chef gang si là lui même il était tombé dans échange coup de balle avec la police paquet au caillou saisi yon pistolet 380 et bien Franck alias Dio Dio alias monsieur TL même et bien il était spécialisé dans braquage qui donc dans braquer moun fouiller moun faire zak malhonnête dans zone si là et bien la police au caillou même dans opération si là yo arrivé neutraliser individu si là côté yo saisi un pistolet 380 pourquoi la police yo même dans ville province yo continue à faire bon travail laisse ça bon faut nous dire bon parce que si la police a frappé dans zone province nous obligé de travailler là bon parce que yo frappé bandi yo souvent dans ville province qui paraît différent avec les nèg yo même yo rete dans capitale là dans capitale là la bagarre là pas jambe douce parce que c'est opération bandi yo même y a fait pourquoi il là yo attaquer zone qui était pis en black ici zone Pétionville là côté pour un pile monde qui était zone qui était plus facile à vivre parce que les gens a vivre dans Pétionville où souvent je viens avec tranquillité ou même dit yo même yo retirer la paix ça qui était gain Pétionville côté quoi là c'est attaque sous attaque y a pillé malheureux y a pillé nega comme et eux même yo pas décidé faire back sous décision malgré carré comme là pourquoi là déjà six non monde qui était prêt pour faire partie conseil là li disponible là n'a pas pour petite desaligne yo pas fait partie yo était pas aller et bien accord
21 décembre qui est parti PM André Michel Major Michel là et bien après la justice ba ça te après la justice na trois moun yo te vle pour aller ou pas ka aller et bien yo fini ba joine côté yo et yo moun pour pile moun yo trouvé à cause ça lui même les cadre ancien sénateur Jacques Itou li di ça pas prêter Haïti ni là ni pi devant le pas pour la vel parce que à cause il allait n'a rappelou Ariel Henry c'est lui même qui était dans pouvoir c'est lui même qui t'a sous ces pays là et bien même à cause il a qui gagne 7 têtes plus d'ia et bien Ariel Henry est parti par là donc André Michel li pas chame sans pouvoir dans pays là depuis bien des temps parti ça t'a sous ces pays là pas rien t'a fait et bien il a continué sous ces mamel parce que dans accord 21 décembre c'était accord pas été fait dans Montana et bien parti 7 têtes inex a yo, yo la dan pire est-ce que Haïti a prend souffle nous pas connait mais ça qui gen pour en pile moun là yo pas d'accord à 21 décembre n'a pas tout mouri Jean-Charles li t'a parlé li te fait connait pour peuple haïtien prend destin côté jodi a la gen gros réunion et puis demain si devait li pral prend béton et Guy Philippe tout qui semble après aller bouda pour en pile moun parce que nèg yo fait connait révolution et puis le fin fait révolution fait matin après-midi soir c'est installé pas installé c'est prend parler ou bien prend prendre matin là parce que révolution qui fait dans l'autre pays ou, immédiatement révolution lancé depuis révolution fin gagné pas rien question de temps l'ordre ou pas c'est installation depuis révolution fin passé mais pour pays noir là bagarre là paraît différent qui nettement différent parce que nous pas wel comme ça révolution lancé Ariel tombé mais pour ça qui vient pour avec palais national ou bien primaté là li toujours été vide pas gain aucun nèg yo même qui capoché soit pas gain intention ou bien qui pas capable pocher et bien pour en pile monde yo je ne sais pas comme ça révolution lui même li fait mais dossier qui vient pour là tout pays a bien bon pour nous dire mes haïtiens si gain 80% haïtien pour nous bien dire et bien fait partie monde qui t'a souhaité pour Guy Philippe lui même li prend tête pays et bien c'est minime son affaire de 20 à 25% qui compte Guy Philippe dans dossier qui même voir avec président mais malgré ça toujours gain coucage bien monde pour croire qui bon Guy Philippe lui même l'a passé pour ta prend tête pays là nous pour aller dans dossier pays les États-Unis n'a faut connait gain en pile haïtien et bien depuis eux même yo pas vivre dans pays États-Unis ici là yo senti que bagaille là lui même li pas fin vivre bon pour croire li là programme Biden là c'est une qui mette moun yo plus n'a problème avec famille aussi toutefois famille lui même li pa ta vle décider appliquer dans programme Biden nan pou et bien sortant de là ou gitan en gros tête chargé avec famille ou gen moun yo pa konn douleur c'est appliquer malgré gen ti famille tout cap bay ti des autres qui pa pi vle appliquer pour famille mais li fait en pile par en pile la police dans ville Los Angeles nan... et bien la police a arrêté de John Lady Anderson li même qui gagne 38 l'année sous tête li ben en date qui était 14 mars qui saute passé là peut-être li tatouyé un petit garçon li même qui était gagné 5 ans dans l'année 2022 qui donc dans état Indiana en époque si là et bien cependant li tal travail dans train Los Angeles la police est arrivé mettre la patte sous lui dans mois octobre 2022 lou dit tatouyé petit garçon li même qui te relé Jordan et puis il était metté li en dans une mallette et puis il était zippé moi les la police qui te prend petite là yo même yo pas à l'école te vinn chercher li yo te joine moi en dedans mallette là même maman te gen temps lagué pied pourquoi li là maman te lagué pied bagage qui passé depuis octobre 2022 et bien maman pas épargné que la police t'a arrivé croiser là dans Los Angeles dans train et bien yo metté criminel là qui c'est lui même moi regarder sous écran là yo déjà metté en bas code pour Zach si là lui même li fait sous petit garçon depuis dans octobre 2022 petit garçon a gagné 5 ans pour elle là 2 ans pour aller là petit garçon a gagné 7 ans et bien malfaiteuse là li retiré la vie petit garçon si là côté li touyer le propre petit li touyer finalement bagaille nous déjà ouais yo compliqué bien compliqué dans dernier les ça là républicain dans état Floride et bien qui gagne plusieurs noms n'a contrôlé match et bien Guy Anna Paulina Luna Daniel Webster et bien yo écrit administration Biden nan yon lettre jodi a la et bien pour yo mande li pour li déployer Marines yo sous la mer pour surveiller est-ce que pas gagner haïtien qui rentre dans l'armée ou bien qui prend l'armée pour rentrer dans pays les États-Unis illégal malgré un responsable dans département d'État américain persiste li dit haïtien yo pas tellement prend l'armée pour rentrer États-Unis et bien républicain yo dit faut que yo préparer contre toute éventuelle ou bien éventualité presque ou bien parce que crise Haïti a lui-même li pousser haïtien yo prend l'armée pour rentrer dans pays les États-Unis gouverneur
Floride là lui-même qui c'est la Ron DeSantis dit depuis yo croisé avec un haïtien sous la mer y a voué tourner Port-au-Prince tête droite quoi il y a la crise là tellement red là dans pays et parti républicain nous déjà connaît yo même yo pas en affaire avec dossier immigrant et bien yo mandé là pour yo capable déployer et bien gros force prouver état Floride une façon pour ta empêcher haïtien yo même yo rentrer illégal dans pays Joe Biden lui-même le président l'a dirigé à la malgré bagarre la compliqué et bien nèg ça yo prend pause yo zanmi nous et bien yo zanmi nous c'est vrai mais yo même yo pas d'accord pour nous rentrer la caille est-ce que zanmi est bon comme ça nous pas connait pays pas nous pas ka gagner la paix et y a goumer pour pas gagner la paix même et bien yo empêcher nous même nous mettre prendre pied la caille pourquoi il là s'il y a barre nous en haut y a barre nous en bas quitter nous nous-mêmes nous prendre décision nous n'a plonger pour qu'on nous ou bien n'a lever pour qu'on nous empêcher nous prendre décision côté yo ba non gouverner les sept têtes là plus de fait neuf et puis yo gitan en barre la caillou pour nous pas rentrer donc si n'a moui là nous pas moui là mais dossier rentrer la caillou malgré républicain eux-même yo pas veulent tendre dossier si là sénateur américain malgré gain coup mal gain coup bon tout gain coup mauvais gain coup bon sénateur américain Edouard Jean-Marquet, lui-même avec député Ayana Presley, accompagné avec 19 autres sénateurs encore, eh bien, yo écrit administration Biden pour demander département d'État sécurité intérieure américain lui-même pour prolonger immédiatement TPS pour Haïti et puis utiliser. Et puis pour capable utiliser pouvoir discrétionnaire administration pour camper sur toute déportation haïtien autorité autoriser tout ressortissant haïtien rete dans pays les États-Unis jusqu'à ce que Haïti lui-même l'état amélioré pendant entendre il y a demandé prolongement TPS pour haïtien et bien sénateur Edouard avec en pile l'autre côté gagne n'importe 19 qui d'accord et bien l'autre côté parti républicain lui-même il y a demandé pour barri pas quitter nous entrer gagne qui zanmi nous gagne qui accepter haïtien qui comprendre ça haïtien vivre Haïti gagne qui ouais côté pays dans rien lié là pas gagner pour puis devant si on haïtien était capable quitter pays là et bien pour ta vie mon vie meilleur des fois mon dans li la caille là li pas ca vivre et bien yo comprendre ça mais gagne l'autre tout yo même yo pas comprendre yo parler yo pas d'accord gagne parti démocrate yo même qui déjà camp en faveur nous c'est yo même qui gagne Biden mais parti républicain lui même yo pas l'étendre nous même n'a plaider puis li la caille yo malgré la situation et la situation vraiment compliquée dans dernier les ça là yo parle nous pile la caillou dans dernier reste n'a porter pour n'a faut qu'on est bien famille Lavalas kounya la yo fait décabès dans liste conseil présidentiel 7 membres les n'a contrôlé moun ki ta kou Leslie Voltaire Gérald Gilles Fred Jean Edgar Leblanc fils en tout cas ça capable moyen pour Jean-Bertrand Aristide lui-même li fini mandat là dans yon l'autre forme mais jusqu'à présent c'est 6 membres sur 7 qui déjà voyé by CARICOM non ça nous sous bon là qui c'est Leslie Voltaire Gérald Gilles Fred Jean Edgar Leblanc et bien Edgar Leblanc fils et bien yo même yo déjà dans liste moun qui déjà à l'une CARICOM là pourquoi il est là gen gros réunion qui t'a fait là pour connait qui Jean bagaille là pral fini et bien malgré le pourquoi gen Jean li fini ou pas mais liste ça déjà à l'une CARICOM pour connait qui décision qui pral prendre là pour connait est-ce que nous même n'a vinn pi bon ou bien n'a pi mal si tout haïtien yo déjà à bataille bien bataille entre yo là nèg vivant sa mieux pas dormi est-ce que les 7 membres là vini parle national déjà fait qu'on est même pas dans accord 7 membres là nous pour connait mais ça qui vrai là et que carotte là déjà quitte beaucoup de dirigeants haïtiens qui te gain pour voyer mon yo déjà voyer tout mon yo et bien qu'on y a simplement après tant pour carré comme il dit ça l'a dit malgré en pile pays pas d'accord avec la Chine là aussi yo prêt pour aider Haïti yo veulent pour problème haïtien réglé entre haïtiens mais pays les États-Unis mais là avec la France yo d'accord pour conseil 7 membres ça pour la soucier nous comme yo couler cette tête en pile haïtien même yo prendre et bien pourquoi il est là bagaille là c'est comme ça lui même l'irrité dans dernier les qui vient pour avec dossier car comme le même côté le demander pour yo joindre yon accord et bien haïtien dégage yon nèg ki ramen pouvoir yo la yo pa chita yo fait accord bien rapide malgré sa barre et bien en barre dit ou pas haïtien depuis autant de parler des pouvoirs depuis autant de parler des
pour y al gouverner, pour y al sous ses mamel ou te mettre gain quel que soit sac t'a passé à coup de balle pli lo avant à gonder et bien wap tout rejoindre mon en pays a là nèg yo pas prend conscience pour ta chita sur un gouvernement pour faire ou même et bien yo pote le bail caricom pourquoi il la carotte la cuite caricom déjà joine tout nous le demander yo et bien nous pral tande ça cap vini nous pas connait mais ça qui vrai c'est ça nous dou là n'a sur dossier de près et de loin pour nous capable toujours qu'un bout informer sur channel ça de tout ça cap passé dans évolution cap bien pour faire dans dossier caricom malgré pile moun pa parler dans des dossiers ça majorité haïtien pa parler haïtien cap mandi bay ou Guy Philippe haïtien cap mandi l'autre accord haïtien cap mandi pour prendre juge dans cour de cassation comme pli ancien juge pour d'aller conseil transition mais yo voulez ba nous sept membres ça majorité nèg Haïti tout pral dans pouvoir là dépendant de sept parties sept têtes ça petite Desalines qui pa fait partie pouvoir ça avec parti réveil national là qui Guy Philippe yo pa fait mais après ça majorité parti qui populaire yo yo ini yo pour y al soucier ensemble est-ce qu'il y a jambe entente dans parlement oui nous pour connait mais nèg yo entente yo voye non aller kounya y a tant papa yo caricom qui vous dit qui ça gagne pour fait dans dossier conseil sept membres plus de fait neuf là. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on va aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regret même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a pas dit au revoir tout le monde. N'a pas revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.